Produire du cajou, c'est bien, vivre décemment de cette activité agricole, c'est mieux. Voilà l'essence du projet Initiative Cajou, présent dans 5 pays d'Afrique au sud du Sahara. Pour son premier conseil d'administration hors d'Europe, Abidjan a été choisi. 24 heures durant, les membres du conseil d'administration, des transformateurs, des acheteurs et autres acteurs de la filière ont passé en revue la première phase du projet de 2009 à 2013 et décliné les perspectives. Sur le bilan, en Côte d'Ivoire, la visibilité du projet s'est traduite en appui multiforme. L'initiative Cajou africain a pu les transformateurs en Côte d'Ivoire, du point de vue amélioration même du process de transformation, formation des techniciens, formation des managers. Ça, c'est des actes qui sont vraiment très concrets. Et prévoit appuyer aussi ceux qui ont des projets de création d'unités. Ils vont appuyer à l'élaboration de leurs dossiers techniques et ils vont appuyer vraiment au niveau de la formation à apporter aux uns et aux autres. S'agissant du futur, l'agenda porte sur le renforcement de capacités et des soutiens multiformes. On a formé autour de 114 000 producteurs déjà jusqu'à ce point. Et ici, on discute aussi comment on peut mieux collaborer avec les acteurs en Côte d'Ivoire, notamment le conseil Coton-Anacarte, pour former plus de producteurs dans les bonnes pratiques agricoles, pour les lier tant aux transformateurs, tant aussi aux commerçants, pour qu'on aura des liens bénéfiques pour tous les acteurs. Permettre aux producteurs de s'organiser, de mieux s'organiser, afin de mieux défendre leurs intérêts. Créer une industrie de la transformation de la noix de cajou en Côte d'Ivoire, qui est le premier pays exportateur au monde de noix de cajou. Le projet de l'initiative du cajou africain s'exécute au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Ghana et en Mozambique. Les partenaires financiers sont la coopération allemande à travers la GIZ et la fondation Bill et Melinda Gates.